Salut tout le monde, c'est Mieux ce côté pour une vidéo découverte de UFC 3. Alors l'éditeur c'est THQ, le développeur c'est Yux Media Creation, le type c'est du combat. La sortie française c'est le 17 février, donc demain, parce que là on est le 16. Et c'est déconseillé au moins de 16 ans, pour la violence des coups et juste pour l'image de fond. Alors c'est parti. Par contre je précise bien que c'est la première fois que je vais jouer au jeu. D'ailleurs même l'UFC j'ai pas trop l'habitude, bon ça on s'en fout, j'ai pas vraiment l'habitude de jouer au UFC, j'ai un petit peu joué MMA, un peu de l'UFC parce que c'est avec mon neveu qui adore beaucoup ça, donc j'ai voulu voir pour voir ce que ça donne et là je me lance pour le troisième qui a l'air juste énormissime. Enfin, tant bien que graphiquement, que avec la technique, tous les personnages qu'il y a. Bon, on va faire assez rapide, juste regarder. Paramètres sont ok. La commande, on va laisser en pro. Ouais, ça. De toute façon, je connais pas grand chose. Alors, je pense que je vais vous faire le pass en ligne. Par contre, j'ai juste fait le pass en ligne, je l'ai activé. Pour éviter de vous montrer c'était quoi le code, parce que bon. On va faire de l'exhibition. Excusez-moi. Alors, on va commencer par UFC. Donc, c'est deux types de catégories différentes. D'après ce que m'a dit un ami, mon neveu, l'UFC, on va dire, c'est un peu les bisounours. Hein. Et le Pride, c'est vraiment... comment on appelle ça? Une ligue japonaise qui est vraiment super violente. Ils peuvent même attaquer à terre et tout. C'est l'eau pitié. Donc, on va commencer par un ou deux combats en UFC. Et ensuite, on va attaquer le Pride. Et si je me sens assez chaud, on va essayer un petit peu en ligne pour voir ce que ça donne, parce que des potes m'ont demandé l'état du réseau, parce que l'UFC 2010, à ce qui paraît, c'était pas tip top. Donc là, la catégorie, on va mettre les poids lourds, parce que je veux les poids lourds. Alors, je ne connais pas vraiment les personnages. Un ami m'a conseillé quelqu'un, je vais essayer de le trouver. Ah c'est dommage, j'arrive pas à le trouver, j'ai peut-être pas pris la bonne section. Bon allez, on va prendre Frank Mir. Non. On va prendre lui. Parce que ça a l'air d'être le meilleur tout simplement. Vu que je suis pas très... Ah bah lui je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Dans The Warrior, je suis pas sûr que ce soit lui mais peut-être. Alors l'arène on va faire aléatoire, hein. L'arbitre on va faire hop, toi. Par contre j'aime bien la musique de fond, enfin qui met l'ambiance. J'adore, ça fait un petit peu indien, combat de rue, c'est pas mal du tout. Par contre j'espère que les chargements ne sont pas très longs parce que dans la bêta que j'avais testé c'était assez long, enfin assez long. On avait le temps de siroter un petit peu d'eau, d'ailleurs je vais en prendre une petite gorgée tout de suite. Pour éviter d'avoir la gorge toute sèche pendant le combat. Voilà. Oh là là. Ça me crie dessus. Voilà. Hop là. Ah j'adore les commentateurs américains, ils ont tellement la pêche. C'est vraiment énormissime. Voilà, je règle juste le micro un petit peu. C'est parfait. Donc les intros s'en font un peu, hein. On va essayer de faire le plus rapidement possible, pardon. Ah il fait peur le mien, le seul qui est en face aussi. Hein. Donc je suis plus jeune, plus petit, et j'ai pas vu la suite. Mesdames, demoiselles, messieurs, allez. Je vais combattre. Il ressemble au Big Show lui, en plus mince, mais il ressemble au Big Show. Alors bah, voilà, comme ça va vous montrer que j'utilise vraiment la première fois que je joue. Donc ouais, après ça je connais un peu les bases. Brock Lesnar est un outstanding bad guy. Je sais pas comment on fait ce signe, mais je suis désolé. Aïe. Ouais mais pas besoin de m'interrompre. Ah. D'accord. C'est gentil.
Allez, allez, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Tremendous takedown defense, Joe. Very nicely done. Push forward. Got the clinch. Oh. Ah, fait mal, hein. Ouais, après, c'est un peu la même chose. J'ai compris le style. Voilà, on se met sur lui. Ah bah, je l'ai déjà fait avant, ce que je connaissais déjà. Donc là, c'est un système où il faut que je poursuive. Voilà. Ça, je sais déjà. En fait, il faut le poursuivre, ce petit... ce gros vilain. Et plus on reste... Ah. Ok, ça je sais. Voilà. Là, on va essayer de le rattraper. Hop. Reste là, mon mignon. Allez. Ah, de trop bouger. Ah. Pas mal, hein. Pour un premier combat. Il a pris sa bonne cuite. J'ai fait une grosse erreur. Vous allez avoir un bruit de fond. Voilà. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Parce que j'avais laissé le son de ma télévision. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça va pas rendre trop baveux. Parce que j'avais laissé le son de la télévision et le casque. Du coup, ça va pas faire terrible. Mais prions pour que ce soit pas mal. Donc, s'il te plaît, l'arbitre, dis-nous c'est qui le patron. Même si le mien il est moins costaud. Hein. Enfin, quand il l'a dit, il est vraiment costaud, mais. Youpi! Donc, mon premier avis sur le jeu, c'est juste super beau. On a limite envie de dire qu'on regarde un match de l'UFC, surtout pour un débutant comme moi. Alors, pour le deuxième combat, on va prendre lui. Il avait l'air un peu bien mastoc. Alors, là on va prendre le personnage aussi, voilà. Comme ça c'est équivalent. Je donc disais oui, c'est vraiment super joli. Enfin, on va dire beau, parce que joli c'est un peu féminin. On a vraiment l'impression d'avoir un match et tout. L'ambiance, le public, tout. C'est vraiment... et surtout que... Enfin, la jouabilité c'est super simple. Malgré qu'il nous casse un peu la tête pour... pour nous dire comment on fait ça, c'est bien pour les débutants comme moi. Mais vu que j'avais déjà testé un petit peu les anciens UFC, je connaissais déjà, donc c'est un peu chiant à force. Par contre, j'ai du mal à parler, je parle avec le nez parce que je suis encore un petit peu malade, c'est un peu chiant. Je suis vraiment désolé. Mais sinon, faudrait que je teste le mode carrière, si on a le temps. Mais je pense un petit peu juste. Je vais sûrement faire une vidéo test. Je vais encore voir, je suis désolé. Voilà. Parce que quand on parle beaucoup, on est à sec au bout d'un petit moment. Putain, le Gary là, il fait vraiment peur. Donc je suis plus jeune, je suis plus petit, et j'ai une petite pite à longue, et je suis plus maigre. Donc... en tout point, je vais me faire défoncer. Je suis américain, il est canadien, il me semble. Et en plus, je sais que les Canadiens et les Américains, ils aiment pas trop. Enfin, ils aiment bien se vanner. Alors, c'est Yves Lavigne, l'arbitre. Il a pas l'air très costaud. I'm ready. C'est parti, mon kiki. Ouais, mais tu vas pas me casser la tête avec ça tout le temps, toi. Attendez. Deux petites secondes. Affichage du temps, ok. Voilà. C'est un petit peu mieux parce que bon, il nous casse un peu les roupettes comme le petit Yves là. Ah, je voulais que tu peux saluer, mais je sais pas comment faire. Ouais. Bah voilà. On va essayer de faire un KO sans lui faire de prise. Ah oui, là, on voit bien qu'il frappe fort parce qu'il prend l'appui. Ça me fait rappeler Fight Night Champion que j'ai envie de toujours et que je vais pas commenter. Aïe aïe aïe. Attendez, juste le prendre dans mes bras.
Non, non, je voulais pas le faire tomber, mais voilà. C'est juste histoire de lui mettre quelques coups de genou, quelques coups de poing inoffensifs. Alors, on va faire durer un peu le combat, c'est plus intéressant quand même. Ah, t'as aimé ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il m'a défoncé. He got tagged there, but it looks like he's recovered. Arrêtez beau sur le spot. Je me défends pas si mal. Au point, c'est sûr. En plus, je saigne. Mon Dieu, je saigne. Désolé si je parle pas beaucoup, c'est vraiment que je suis à fond dedans. Aïe. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, je te porte comme un sac de sable. Un sac de patates, comme vous voulez. Ouais, mais je vais pas le terminer à terre, moi. Ah, tant pis, hein, on va le terminer à terre. J'ai l'impression que je suis très bon en soumission et pas très bon en... Ah, non, 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 il va s'enfuir. Ah, non. Ah, si, si. Ouh, allez, allez, allez. Ah, le vilain, le gros vilain. Ah, il était beau ce contre. Il était beau. Ah, oh là là, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Au moins, c'est bien. Vous pouvez voir, c'est quoi un KO. Un KO technique. Félicitations. Je suis fair play. Surtout que c'est en débutant, il me semble. Mais bon, j'ai dit dès le début, je ne suis pas un pro. Et c'est pas plus mal, parce que si c'est un pro qui fait la démonstration, il va toujours gagner. C'est un peu bateau. Bon, je dis ça pour me remonter le moral, mais j'avoue, il m'a vraiment bien enchaîné. Non, j'ai fait juste une petite blessure, voilà, sur la joue gauche, sur les petites pommettes. C'est vraiment très faible, alors que lui, il m'a défoncé ma gueule, comme pas possible. Par contre, je vais juste regarder il y a combien de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? 13 minutes. On va commencer... Attends, j'ai mal au ventre. On va commencer le Pride. Enfin, c'est que là, c'est super violent déjà, donc j'imagine même pas avec le Pride, ça va être de la folie. Alors... Non, j'ai envie de faire l'exhibition. J'ai peur qu'il a juste pas me casser la tête avec mes couches, parce que... Alors, règlement par défaut, débutant. Non, mettre pour moyen, c'est moi, ça me semble bien pour moyen. 3, 1, débutant. Je laisse en débutant, parce que bon, je ne suis pas un pro, comme je voulais vous le dire tout le temps. J'arrive pas à trouver le joueur que mon ami m'a dit, c'est ça. Ah, lui je le connais bien, lui. Ah voilà, il m'a dit c'était lui. Il m'a dit lui c'était vraiment une bête. Donc dédicace à toi. Je ne dirai pas ton nom pour éviter de que tu sois trop connu. Donc on va faire lui contre... Bon, allez, contre lui. T'as une bonne tête à te faire défoncer. Donc c'est parti. Le stade, vous prenez celui que vous voulez, l'arbitre pareil, j'accepte tout. C'est parti mon kiki. Alors, j'aimerais bien savoir par contre en commentaire ou par message privé ou sur Facebook, ou sur les forums où je suis inscrit, par exemple sur les vidéos sur Meta par exemple, ou n'importe où. Dites-moi les vidéos que vous voulez voir en priorité, parce que j'ai Shanks 2. Gotham City Impostor, Catherine, Grand Chelem Tennis 2, Fight Night Champion, Spider-Man au-delà du temps, je sais plus quoi, Captain America, et il doit y avoir d'autres petits trucs, donc dites-moi... comment ça s'appelle? Dites-moi ce que vous voulez voir tout simplement. Désolé si je bug parce que je pense à quelque chose là et ça m'a fait un peu...
un petit peu buggé. Donc c'est parti. Ah, ça fait un peu boxe, j'aime bien. Je sais comment on frappe, t'inquiète. Je suis un PGM de... C'est mélange, je rigole bien sûr. C'est de l'humour. Que je préfère dire ça, parce qu'après il y en a, ils vont me dire « Ouais, tu te prends pour je sais pas qui. » Allez. Mais casse-toi. Voilà. Tu vois, là, je te jure, toi tu vas me franchir. Voilà. Voilà. Je te mets quelques petites patates. Déjà tu saignes. C'est pas bon pour toi, mon ami. Et là, je te fais une de ces soumissions. Tu vas pleurer. T'inquiète, Billy. Je sais comment on fait. Ah, par contre, il va s'échapper. Il va s'échapper, le gros vilain. Non. Hop là. Je te course. Ah, c'est bien joué. Félicitations. Là par contre, voilà, je vais essayer de me d'inverser le la balance. Nice control from top position. There's another one. Just kicked him away. Jamais rester au coin, jamais. Dans n'importe quel sport de combat, il ne faut jamais rester au coin. Ça fait mal ça, ça fait mal. Ça aussi ça fait mal, tu m'as donné un bon petit droit. Quelques petits jabs, il n'y a pas tant. Si voilà, il y a les jabs, je me disais bien. Un petit crochet du gauche. Voilà, parfait. Ah, tu me l'as mise. Ah, tu l'as vu celui-là. Ah, je kiffe les coups de pied dans celui-ci. Oh là là, il était beau. Oh, je vais le défoncer. Oh, laisse-moi, je vais le frapper jusqu'à la mort. Je vais me venger de tout à l'heure. Bravo, baby. Et voilà. C'était un petit peu dur, mais ça va la peine. Ah, il transpire en plus. Oh, c'est super bien fait. C'est excellent. Moi qui n'aime pas trop l'UFC de base, je trouve ça un peu violent et ça me fait un petit peu peur. À jouer, c'est juste extra quoi. Mais par contre, je préfère le Pride parce que je le sens plus dynamique. Je sais pas pour vous, mais pour moi, si. Après, c'est peut-être parce que j'ai gagné, hein, mais je sais pas. Juste par rapport au coup de pied, je sais pas si c'est le personnage. Enfin, je te remercie, Julien, pour... Oh, voilà, je dis ton prénom. Je te remercie pour le petit personnage. Là, je vais reprendre l'un des plus connus, on va dire. Ah, par contre, je crois que j'ai fait recommencer. Merdasse. Attendez, je vais juste quitter pour recommencer. C'est bizarre qu'ils nous disent tout le temps ça. Alors, attendez. Choisir combattant, voilà. C'est parti. Je vais essayer de prendre... Alors, il est où? Oh là, lui, ouais, c'est un ancien, lui, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de monde, enfin beaucoup de personnages dans cette ligue, j'ai l'impression. Bah, il est où? Ça, je voulais prendre. Ah, lui, il a l'air juste énorme, quoi. Juste la note et son gabarit. Ah, lui, j'aime bien, j'ai déjà pris dans l'ancien. Mais moi, c'était lui que je voulais tester. Donc on va prendre lui contre... Alors, on va prendre Brian Stan. C'est parti. Après, on va peut-être essayer, je sais pas, peut-être en ligne, mais je vais vraiment me faire étonner. Je vais sûrement faire juste un combat à la fin pour vous montrer qu'est-ce que donne le mode en ligne. Je vais peut-être vite faire un début de carrière, je sais pas. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Là, ça fait 20 minutes. Je vais me dire qu'on va faire 35 minutes, ça paraît correct. C'est pas trop long ni trop court. Donc je vais faire juste un petit combat de Pride encore là, pour voir si je gagne ou perdre. Et on va aller en mode carrière, pour voir ce que ça donne. Et pour finir, on va faire un combat en ligne, si Dieu le veut déjà. Et pour voir un combat en direct, je vais vraiment me faire défoncer. Parce que les mecs en ligne, c'est des tueurs.
Et voilà. Quel athlète, franchement. Bon, il est un peu moins musclé que moi, mais c'est, ça reste correct. Ready? Eh ben, vous me cassez avec ça. Je sais comment on dit. En plus, je l'enlève. Hop là, voilà. T'as vu ça? Petit enchaînement. J'ai compris ça. Ouh là là, putain. Quelle patate il a, ce mec. Toujours travailler les côtes. C'est. Enfin, je dis ça parce que moi, un coup dans les côtes et je pleure. C'est. Aïe. On va faire durer un peu plus le combat cette fois-ci. Ouh là là, celle-ci, vous l'avez vu en direct. Je m'arrête un petit peu parce que c'était juste énorme. Cette feinte, il a remonté. Moi, je me prends ça. Mon Dieu. Allez, relève-toi. J'ai envie de te finir, mais sans finir à terre. Je vais te finir debout, comme un homme. Par contre, c'est dommage qu'il a... C'est pas comme Machida qui avait un super bon jeu de jambes. Lui, là, il a un peu... Il est un peu moins bon niveau jambes. Enfin, il faut dire qu'il est un peu plus lourd. Allez, des petits jabs. Voilà. Bon, allez. Voilà. Allez, relève-toi. Je ne peux pas finir comme ça. Je vais te finir à la loyale. Voilà, comme ça. Une grosse patate et il tombe, c'est fini. Je sais pas ce qu'il y a derrière son dos. Une grosse pharmacie ou quelque chose du genre. Ah, j'ai transpiré mon coco. Mais on l'a bien défoncé. En tout cas, grosse surprise, je m'attendais pas à un jeu aussi énorme. J'ai vu quelques vidéos, mais là il jouait, c'est énormissime. Y a pas de mots. Surtout qu'il y a plus de 100 combattants, quoi, c'est... Je sais même pas si on peut créer une autre, il me semble. Ça... Bravo, Koppa. Par contre, t'étais pas super noté, il me semble. Hein. Il était noté 86, ce personnage. Alors que... Ils ont pas laissé. Ah, j'aurais bien voulu voir l'éternité, je vais lancer un rap. Ça va, c'est 3 victoires, 1 défaite. Voilà, on peut créer le combattant. Bon, je vais pas aller sur. Je vais pas créer un combattant parce que j'ai peut-être pas forcément le temps. Ouais, on va aller voir vite fait. Pourquoi pas, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Bon, pour faire plaisir aussi, mais. J'ai peur de faire un peu comme sur Soul Calibur où j'ai un peu mis très longtemps. Information générale. Ouais, mais voilà. C'est un peu. Bon, je vais pas faire le personnage en fait, on va juste voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parfois là on peut tout. Par rapport qu'on touche les grands dès le début ou tout ce qui est scène, enfin. Entrée, sortie et compagnie. Les caractéristiques, donc quel style jeu, Muay Thai, je sais pas quel autre style, que je connais pas tout bien sûr. C'est juste pour vous montrer un peu près à quoi ça ressemble. Hein. Parce que je vais pas le faire parce que ça serait vraiment trop long. Apparence physique, c'est sans doute voilà la taille du corps, si je le veux petit, grand, maigre, énorme. La tête, bah c'est peut-être jolie ou pas. La pilosité, c'est si je le veux barbu, avec beaucoup de cheveux. Avec une crête ou quoi que ce soit. Bon, tatouille, cicatrice, on sait tout ce que c'est, hein, pas de soucis. L'équipement, c'est quel short on veut lui mettre. Je pense pas qu'on peut lui mettre un pantalon, je pense pas que ça existe en USA ou en Pride. Et aussi le combat là, de l'IA, intelligence artificielle, ok. Bon, on va quitter, hein.
C'est juste pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, puisque sinon ça aurait été vraiment long et j'aurais limite passé 10-15 minutes dessus. Donc c'est un peu, je sais que c'est un peu dommage pour vous, mais vous avez vu le principal. Hein. Je vous ferai sans doute une vidéo test avec vraiment tout bien appuyé. Ça sera pas mal du tout. Donc, on va essayer le mode carrière, voir ce que ça donne, en espérant que ce soit pas trop long. Parce qu'il ne me reste que 12% sur mon PC portable que j'ai débranché. Aïe aïe aïe. Donc faut qu'on fasse vite. Enfin, nouvelle carrière. Hop, c'est parti. La la la. Few individuals have what it takes to make it as a fighter. Ah non, je préfère pas regarder ça, ça va me démoraliser. Moi, mes petits biscottos. Ça me fait du mal de voir ça. Pourtant, on pourrait tous devenir comme ça avec un peu d'effort, mais on est tellement fainéants. Welcome to UFC Undisputed 3's career mode. Ouais, mais là, je suis obligé de le créer, le combattant. Ils font chier. Oh, bon. Parce que j'ai pas beaucoup de temps vu que. Oh, en plus, c'est compliqué à faire. Je suis vraiment désolé. On va passer le mode carrière. Parce que ça va vraiment être. Ça va vraiment être long. Voilà, on va vraiment le quitter, je suis vraiment désolé. Je vous ferai une vidéo test avec tout ça bien comme il faut. Parce que là c'est vraiment super long et je vais passer trop de temps, surtout que mon PC portable n'a presque plus de batterie, donc ça va être un peu la cata. La batterie ça allait vraiment faite, parce que ça avait quand même, que, même pas 30 minutes, c'est bizarre. J'ai peut-être mal chargé, c'est pour ça. Je suis désolé, je vais juste vérifier on a combien de temps. On en a 27 minutes. Alors allez, on va se faire un petit combat en ligne. Voir ce que ça donne. En espérant que ce soit pas trop bon, parce que sinon je me fais avoir. Et vous inquiétez pas, je ferai une bonne vidéo test si ça plaît déjà, parce que si ça plaît pas, bah tant pis et tant mieux, je perdrai pas du temps à faire une longue vidéo test expliquant tous les modes de jeu, tout ce qu'il y a à faire et compagnie. Donc on va faire de l'exhibition, un match selon les classements, parce que j'aimerais pas non plus affronter le meilleur mondial, ça serait un peu dommage pour moi. Alors attendez juste 2 secondes. Hop là. C'est parti. Alors, je vais le faire en pride. Ça c'est je me fais défoncer. Partie personnalisée. Hop là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait partie rapide, mais bon. Ce n'est pas grave. Donc ne me critiquez pas si je me fais, on va dire, entre guillemets, niquer. C'est normal, je suis un petit joueur. De toute façon, vous l'avez remarqué. Hein. Ouh là là, il a l'air de pas rigoler lui. Comment il s'appelle mon adversaire? J'ai pas vu. Oh, je vais l'enlever. Un petit. Alors. Ah non, c'est dommage. Ça le met pas encore. Ça me met. Donc vu la qualité,
On va pas chier dans la colle, on va le dire. Gray Menar contre Eridja. Ah, j'aime bien son prénom par contre. Et son nom de famille, je l'ai oublié. Je sais pas comment on fait pour saluer. Excuse-moi si je le fais pas, copain. Enfin, je dis copain, il va me défoncer ma gueule. Ah, mais calme-toi, calme-toi. Gray Maynard coming in, one of the best wrestlers, big time striker too. Big heavy hands. Oh, this one hit. Double underhooks. Voilà. Uh-oh. Suplex. Toi, je te mets directement à terre. Back on their feet. Oh, great takedown defense there. Oh, that was a good body shot. Comment il fait ça là? C'est pas possible. Oh, that's a nice right kick to the body there. Oh, bien joué, bien joué. He's not even dazed from it. I thought it was going to be at least a little dizzy. J'ai un peu du mal. Switch kick to the head. Ooh, nice kick to the body. Boom! Switch left kick to the head. Wow, somebody's bleeding. Uh-oh! Aïe, aïe, aïe. Looks to me like he recovered. Wow. De toute façon, il a dû le voir que j'étais un débutant. Pour ceux qui aimeraient savoir, c'est fluide, hein. Il n'y a pas tant de retard par rapport au tout. C'est moi qui joue mal, j'aurais dû m'entraîner un petit peu avant, mais. Voilà, je sais. Parce que moi, je suis assez bon. À ce niveau-là. Voilà. And he defends well. This isn't locked in. Nope. Félicitations à lui. It wasn't close. Oh, beautiful right. And another one. How he survived that, I'll never know. Ay 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 ay. That was brutal. That coming from us. La distance sur lui, c'est le mien. Je crois bien que je suis obligé de le mettre à terre. C'est le seul moyen que j'ai de. C'est le seul moyen que j'ai de le. De. D'essayer de gagner ou de faire durer le combat. Parce que là, je suis vraiment pas. Je suis vraiment pas dans mon élément. Liver shot attempt. You know you want to follow it up with the right hook to the head. Ah, on se fait des câlins ou quoi? Both men tu aimes me faire des câlins? Go and kick up. Go and kick up. 5 minutes into the round. Uh-oh. That he connected there a couple of times. Get that double going. Get that double. That was a nice kick to the body. J'adore son style de combat à l'adversaire. C'est juste excellent. Je rappelle pour ceux qui suivraient la vidéo que maintenant. Je suis en mode en ligne. Ah, il était beau celui-là. La grabba. Ah, bien joué, Naron. Bien joué. Oh. Et j'ai l'impression que l'adversaire il veut jouer. Il veut jouer un peu avec moi. Oh, c'est dommage. Faut que je lui dise félicitations. Oh, mais pourquoi il ne veut pas se mettre à jour, ça, là, c'est chiant. Uriah Faber does it once again. Bon, bah, tant pis, hein. Bravo à lui. Moi, je suis fair play, hein. Prendre un joueur qui me bat la loyale, surtout qu'il était assez sympa à me laisser des temps morts. Excellent. Il a tout mon sang sur son bras gauche. C'est juste excellent. Bah, je me laisse un petit combat en ligne, hein. J'ai un petit peu de temps. Vu que je suis un petit peu déçu à ne pas mettre le mode carrière, je vais en faire un autre. J'espère juste que je vais affronter quelqu'un de moins expérimenté. Ah voilà, ça c'est bien. Par contre, les joueurs de l'UFC sont très fair play. Si une personne gagne, bah, il les salue quand même. Il n'y a aucun souci pour ça. Mmh.
Alors, Trinigladiator. Ah, on peut faire encore un combat lui et moi? Ah non. Attendez, juste vérifier si je peux lui dire bravo. Ah voilà. Je vais écrire un petit message, lui dire good game. Parce que après. Parce que c'est un petit peu long là. Je vais annuler pour essayer de faire une partie personnalisée comme tout à l'heure. Ça a l'air d'être assez rapide. Donc catégorie hop, on va faire aléatoire quand ça va nous trouver n'importe qui. J'espère juste qu'il va faire ça assez rapidement parce qu'on n'a pas non plus toute la soirée. Alors, texto. Voilà. Oh mais on avait rejoint une session, c'est quoi ce beans? Non mais oh. Bon. Ça va, parce
que le réseau est quand même assez fluide. On peut lui pardonner que pour rejoindre les sessions ce soit un petit peu long. Ah bah voilà, une personne on va dire peut-être un peu moins fort que l'autre. Enfin je dis ça, il va peut-être me défoncer ma gueule. Il va peut-être me faire du mal. Oh là là, lui, 95, il a juste l'air énormissime. Il a pris Georges Saint-Pierre qui est l'un des champions aussi il me semble. Enfin c'est un champion du UFC il me semble. Je dis beaucoup il me semble, oui. Donc ça va être un combat tout simplement épique pour finir cette vidéo découverte, pardon. La 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 la. Oui je chante hein. On m'a dit, il faut que j'essaye d'être un peu moins monotone. C'est difficile parce que ma voix elle est comme ça. Je peux crier, je peux danser aussi, mais vous le verrez pas. Bientôt je vais prendre une caméra si ça marche bien pour vous montrer des face commentary. Bon, en attendant, bah, vous allez devoir m'écouter comme ça. Je suis désolé les amis, mais c'est comme ça. Everybody. Oh toi, je t'aime mon coco. Bon, allez, on va le passer parce que on a vraiment pas le time. T'apprends à me dire oui. Monsieur Coty, fais des vidéos longues, c'est pas bien, parce que j'ai pas une heure à te consacrer. Tu peux le regarder en plusieurs fois, mon coco. T'es pas obligé de regarder d'un coup. Tu peux regarder 20 minutes aujourd'hui, 20 minutes demain, 20 minutes dans les shots avec ton iPhone, si t'as un iPhone, ou un autre téléphone, y a pas de souci. Allez. Je sais pas comment on peut te saluer. J'aimerais tellement. Voilà, salue-moi. Ah. Allez, c'est parti. Ah, par contre, là, ça lag un petit peu. Hein. Ça lag un petit peu, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, c'est par rapport à la connexion de l'adversaire. Hein. C'est. Parce que notre camarade d'avant, c'était correct. Là, ça lag. Mais... Ah, tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît. Oh là. And open guard, hard hammer fist. Oh, and that's not canvas what we're hearing right now. Just kicked him away. Back to standing. And that cut is looking bad. He'd better be careful that the doctor. Voilà. Maintenant, je vais te mettre à terre toi aussi, que t'as voulu mettre bouillaka, bouillaka. There's the open guard and the pushback. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Dis-moi que ça fait mal. And he jumps right back up. C'est chance que ça lag. Faut limite prévoir les coups de l'adversaire. Allez, allez. Voilà, je le contre un petit peu comme ça. C'est excellent. Là, je vais essayer de le faire. Une prise. Voilà. Allez, je vais le mettre à terre. Voilà, c'est excellent comme ça. Là, je mets quelques petites patates. Allez. Ah. Ça va, pour le dernier combat, vous voyez un combat en ralenti, c'est excellent. Oh, excellent comme contre. Bravo à lui. Allez, allez. Faut que je me détache, voilà. Voilà, j'aime bien ce petit coup de pied retourné. Ah, excellent contre. Oh, he timed that takedown again very well. Stands up cautiously. Voilà, c'est mon tour. Je vais jouer à ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de le. Voilà, je vais essayer de le courser. Ah, mais par contre, ça. Contre un humain, c'est dur parce que l'humain n'est pas con. J'ai envie de dire que l'ordinateur, ça va, on peut le. Ah, il m'a bien. Pourtant, je l'avais dominé depuis le début là, mais. Oh, c'est chiant ça. Can he finish it? How can he survive that? And he scrambles back to his feet. Bah allez, j'essaie de le finir. Parce que. J'ai pas trop de temps à perdre avec lui. Oh, mais non. C'est mauvais ça. Transitioning right into side control. Oh, allez, allez, allez. Oh, beautiful. Oh, là. Faut que je me détache.
It was great defense on the bottom because it looked like he was on the verge of being finished. It really was, but then thank God he was bobbing and weaving and let a few miss. Oh, man, that was a good shot. Beautiful right hand. Ah, c'est dommage. Ça lag. Donc en fait, tout le coup que je fais, bah, je me fais avoir bêtement. C'est dommage parce que il n'était pas si fort que ça. Hein. J'avais assez bien dominé au début. Et bon, il a réussi à me contrer au bon moment et de me finir par terre. Donc félicitations à lui aussi. Et puis voilà. Il n'y a pas de rage ni quoi que ce soit. C'est le meilleur qui gagne, tout simplement. Donc là, je vais vous quitter. Juste attendre de voir. Voilà. J'espère qu'ils vont se saluer parce que s'ils ne se saluent pas, ça ira pas. Ah, voilà. J'aime quand vous faites ça. Voilà, avec un petit signe et tout. Pas de soucis. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. En entière, j'espère. Parce que sinon, ça va chauffer. Hein. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo que vous m'aurez conseillée. Donc voilà. Merci et à plus.